Salut tout le monde, nous revoilà. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jordan pour le Let's Play Pokémon. La partie 17. C'est parti. Par contre, je vois pas trop, moi je suis comme ça du coup. On va inverser peut-être les rôles. Tu vas aller directement sur la cam? Bien. Et je joue sur la cam? Bon, c'est ça. Alors, on avait récupéré le Snatcher, les gars. Et moi, je ne connais pas du tout Pokémon. À part Pokémon Go, c'est tout ce que je connais. Non, parce qu'en fait, les méchants, ils m'avaient volé le Snatcher que j'ai sur le bras là. On voit pas trop là, c'est pas fort petit. Là. Et ça, oui, c'est, je crois l'avoir. C'est pour capturer les Pokémon obscurs. Parce qu'ils les ont empoisonnés. Bon, c'est ça. Et j'oublie pas les escaliers que j'avais pas pris l'autre fois. Est-ce que ça bloquait? Non, pas du tout. C'est juste que je savais pas où aller. À droite, à gauche. Et t'es un peu coincé dans le jeu parce que c'est pas. Non, je suis pas coincé dans le jeu. C'était là que je devais aller. Je suis pas allé. Je suis jamais coincé dans Pokémon. Le jeu envoyé d'être à côté d'un Pokémon, on a m'appeler, je crois que. Ah non, je m'en tire toujours très bien là-dessus. C'est juste que des fois je sais pas trop. Dans quelle direction aller? Ben. Il y a tellement de directions. Oui, voilà, c'est ça. Tiens, il y a du monde là. Si tu te joins à nous, non seulement tu recevras une seule journalière, mais aussi une prime de déplacement et même un panier repas. En fonction de tes compétences, tu peux accumuler jusqu'à 20% de congés payés en plus. Pas mal comme condition d'embauche, hein? Oui. Mais non, mais il dit ça aux vieux. Mais tu t'as pas le droit de débarquer comme ça dans un entretien d'embauche, tu vas voir. Il est beau l'entretien d'embauche, quoi. Bon, faudra couper tous les gros du coup. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a la présence de Jordan aussi. Donc voilà quoi. Ah, j'ai oublié de faire soigner mes Pokémon. J'ai que de la merde là. Oh merde. Ah, c'est fait. Voir, c'est à cause de Jordan ça. Il me déconcentre. Il a oublié de faire soigner mes Pokémon. Bah, je vais être obligé de gaspiller des rappels. Des rappels. C'est chiant. J'ai oublié. Est-ce qu'avec des rappels, tu peux soigner des Pokémon, bien évidemment. Tu me connais ça. Mais moi, je connais. Oh, mais bon, j'aurais préféré les garder pour plus tard, quoi. J'ai carrément oublié. En plus, dès qu'il y a un problème, ils font un combo Pokémon dès qu'il y a un problème. Voilà. Voilà. J'étais passé devant le truc il y a en plus tout à l'heure. Pour les soigner là. Mais comme j'ai arrêté. J'ai arrêté l'épisode précédent un petit peu en panique. Alors parce que la caméra elle allait s'éteindre. Elle allait s'éteindre alors qu'on était en plein combat pour récupérer une nature. C'était chaud chaud chaud. Écoute, t'as comment récupérer? C'est bon. Ah, c'est quand même mieux quand il y a des mollusques là. Hein. Et quoi, tout le monde a perdu un Pokémon? Mais tu as aidé de perdre le deuxième? Mais tu perds le deuxième, Pokémon? Oh, je m'en fous, moi. De toute façon, je sais que je vais gagner. Il est un peu trop confiant, je dirais, hein, Eden. Ah non, je vais tout faire ça. Ouais, enfin, ça sera bien, même. Hein. C'est pas ce qu'il veut. Mais moi, comme d'habitude, non? Comme ça tout le temps, hein, même dans la vraie vie. Hein. Allez, plein de moins. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais. Enfin dans le niveau 40. Ils sont tous chauves là-dedans en plus. Sauf ça. Non, sauf moi, ouais. Allez, j'ai bien 10 ans. Deux Pokémon, chacun, deux perdus. Ouais.
Pokémon de moins. 3 Pokémon de moins pour un adversaire. Il y a combien, il utilise combien de Pokémon comme ça? Je sais pas, mais il m'énerve parce que moi j'ai que ça là. Parce que bientôt tu auras plus de Pokémon et que lui il aura encore des Pokémon ou quoi? Non, mais c'est juste qu'il va falloir que. Oh bah j'attends que Togepi soit KO. Est-ce que tu peux arrêter après le combat direct? C'est pour mettre Noctali. J'ai pas envie de changer Pokémon. J'attends qu'il soit KO. Oui. Ce qui fait l'autre aussi. T'as un homard comme ça pour moi là dans ton assiette. Voilà, il faut mettre notre tag. Heureusement j'ai mis les rappels. Hein. Oh là là. C'est sinon ça la merde. Ah oui, j'ai oublié de les soigner. C'est ta faute ça. Quoi? Ouais. Tiens, regarde ce que je me suis pris dans la gueule là. Pour info, c'est Jordan carotté. Oui, tu n'as pas un Pokémon ou comment ça se passe? Non, là, ça arrive sur la fin. C'est bon. Putain, une boule entretien dans le bouche. Bon, si tu gagnes le combat, t'es embauché. Mais si tu perds le combat, t'es pas embauché. Non, mais je vais pas être embauché chez eux. Par contre, il m'a donné 640$. Ouais, c'est bien ça. Dégage de là, je ne laisserai pas quelqu'un de plus fort que moi rejoindre les rangs de la Team Snatch. Bon bah, comme ça, c'est clair. Hein. Bon bah, attends, je vais soigner mes Pokémon et je reviens. Je reviens vous détruire coup. Après. Je reviens vous détruire dans 5 secondes. Temps de soigner mes Pokémon. Ouais, ils sont tous les escaliers que t'as monté tout à l'heure. Voilà. Il y a pas le truc, il faut que je fasse le tour. Merde, c'est pas par là. C'est un vrai labyrinthe là. Hein. Bah merde, je sais plus. Ah, par là. C'est vrai bien ce jeu. Non mais là, c'est que je suis dans leur repère. Qui est aussi ton repère? Non, pas du tout. Je suis juste un intrus qui a débarqué. Bah, peut-être tu retournes à ton repère. C'est pas la première fois. Hein. T'as un repère, toi? Non, moi je vis au laboratoire avec le professeur Pokémon et maman, papa aussi. Et Joël? Joël. Ah non, non, y'a pas infirmière Joël là-dedans. C'est une autre. Elle a les cheveux bleus, l'infirmière là-dedans. Il coffre avec les dessins animés. Ah bah voilà, il y a un objet là-bas là. Ouais, je vais aller à l'arc là-bas. Comment on accède à cet objet? Ah oui, il faut déjà aller là. Là, lui, il va me demander un combat, je le sens, j'irai tout à l'heure. Avant, il faut déjà aller là-bas. En fait, chaque personnage se demande un combat, donc... Lui, on l'a fait. Mais non, mais il va pas là. Ah voilà. J'étais là, j'avais fait demi-tour, c'est ça. Ah bah voilà. En fait, j'aurais dû prendre avant de partir. Hein. Mais bon, je le savais pas. Elle fait une mission avec des Pokémon, je crois. Je suis fort en Pokémon, mais je connais pas non plus tout par cœur. Hein. Tout ça fait moins 10 ans, 15 ans que j'y ai pas joué. Bon, tu vas détruire qui maintenant? Quoi, tu vas attaquer le repère de la Team Snatch? Il en faut du courage. Ouais, je m'en doutais pour le combat. Ouais, surtout que c'est un gamin de 10 ans qui combat un violet, un violard. Un chauve. Oh non. Et tu t'es les deux mêmes que tout à l'heure? Oui. Cette fois-ci en bonne santé. Ouais, parce que c'est les deux meilleurs quoi. Oui. Que je les ai entraînés et tout. T'as pas Pikachu là, il faudrait un peu. Quand il y aura un Pikachu obscur à capturer, je le ferai. Ah, parce que tu n'as pas un Pikachu normal? Tu veux Pikachu obscur? Non mais quand t'as les Pokémon obscurs après, bah t'as une machine pour les libérer. Oui.
Ouais, tu verras. Les utiliser en combat, quoi. Il y a quand même 5 Pokémon neutres. Il va tous utiliser ces 5 Pokémon. Pourquoi tu dis Pokémon comme moi? Je vois ça marrant. Je vois ça marrant. Ma mère a dit Pokémon. C'est moins drôle. C'est comme Michael Jackson. C'est pas terrible. Bon, il sort de Pokémon ou c'est... Ah, attends, le temps qu'il les lance... Il est un peu long à les lancer quand même, ce mec. Il est lent. C'est des libellules, là, qui m'envoient. Ça vaut rien, ça. Allez, on a coûté d'être inhabé. Disons que... Que le type feu a l'avantage dessus, quoi. Oui, bah, il le sûr. C'est presque détruit. On a même pas le temps de dire ce que je mets comme attaque que j'en veux. Et voilà, ça c'est fait. Il en relance l'autre? Parce que oui. Non. En gros, tu vois le nombre de Pokémon qu'il possède en haut à droite. Bon, maintenant on peut plus voir. Oui, c'est des 5. Il y a quelques années, il suffisait de dire Team Snatch pour faire taire les gamins turbulents. Et maintenant, on n'arrive même pas à en battre un. Ouais, je vois ça. Ah, vous avez des grosses merdes, vous avez des grosses merdes. Hein. Voilà. Et les plus forts, les... Ah, il y a des escaliers ici. Apparemment, je peux passer là-bas aussi, j'ai plus tard. Ben, tu vas avoir un combat, non, mais... Ouais. Je suis de la team Snatch, mais je n'ai pas le Snatcher. Je n'ai donc jamais snatché de ma vie. Tu comprends à quel point je me sens nul? Bah, c'est lui qui le dit, hein. En fait, c'est Aiden au tout début qu'il a joué ce jeu. Bah non. Il est sorti en 2005. Et la première fois que je l'ai fait, wow, j'ai pas trop galéré. Hein. Je l'ai fini le jeu déjà. Hein. Et là, on va le refinir 15 ans plus tard. Mais avec vous, les copains. J'ai rien perdu, moi. D'abord, j'ai perdu 0 fois, là. Hein. Ah oui? Ouais, pour le moment, ouais. C'est très rare que je perde dans Pokémon. Hein. Eh ben. À moins que tu oublies de les. Soigner, oui. Soigner. Ah oui, s'il y a un oubli là, par contre, ouais, ça peut. Comme tout à l'heure, il y a beaucoup oublié de soigner. Si j'avais pas de rappel, je... oui, là j'aurais mal fini. Mais c'était ça, c'est la faute de Jordan. Hein. Il est là aujourd'hui. Alors... Est-ce que je peux le frapper? Faut pas que tu es concentré. Mais oui, bien sûr. Un Pokémon, ça joue sans te concentrer, ça. Bah, toi, t'aurais besoin d'être concentré. Si t'étais à ma place, là, tout de suite. J'en fais des... Eh, faut pas que je lui laisse la manette, hein, parce qu'il va faire n'importe quoi. Moi, les seuls Pokémon que je connais, c'est les Pokémon sur Nintendo... Nintendo... DS. Sur la DS. Il y a un feu follet, je crois que c'est ça. Ouais. Feu fort là, je crois que. Ça, c'est un feu follet. Feu forêt. Oui, bon, ouais. J'avais pas le pensé, mais je le connais bien ce Pokémon. Parce que je l'ai sur Pokémon Go. Et l'autre aussi, j'ai sur Pokémon Go. Bon, l'autre aussi, j'ai sur Pokémon Go.
lui reste plus de deux là. Ça va pas tarder à se finir. Ouais. Et bien sûr, on va pas nous dire qui va gagner parce qu'on sait tous qui va gagner. Celui qui a des cheveux ou celui qui a pas de cheveux? Qui va gagner? C'est déjà fini? Non, il y a, ouais. Il y a le cerf. Cerf rousse. Je vais en remettre après. Ah oui. Est-ce que tu peux pas tout recorder comme il faut? Et voilà. Perdre un combat, ça fait mal, j'en ai profondément souffert. Surtout face à un gamin. Quand j'ai intégré le groupe, le snatcher avait été volé. Oui, c'est celui que j'ai sur moi. Je l'ai volé. Oui, on me l'a volé, mais je l'ai récupéré hier. Enfin, dans l'épisode d'avant, quoi. Je l'avais fait hier, l'épisode d'avant. Mais tu l'as publié. Tiens, une clé. C'était 300. Ah, un écran. Il y a une sortie là-bas, j'irai plus tard. Ça se trouve, ça m'amène dehors, tout simplement. Je vais faire quelque chose par là. Un combat, peut-être. Un objet. Enfin, un objet. Il y a aussi une sortie. Et aussi un combat. Oui, aussi un combat, ouais. Allez, viens. Oh là là, ce mur n'a pas été réparé depuis longtemps. On n'a pas pu le faire parce qu'on s'est pas fait d'oseille récemment. C'est vraiment nul. Ah, alors je me lamentais, un intrus s'est avancé. Ouais, c'est moi l'intrus encore. Ah, je suis chez eux, entre guillemets, là, attention. Il te reste 2 minutes. 2 minutes de record. Pour décorder. Alors, je vais les cramer, c'est des papillons. Et bah oui, c'est sûr, des papillons, c'est facile à détruire ça. Après, je sais pas si ça va mettre que des papillons, c'est un truc. Non. Si c'est facile de mettre que des papillons, ça va être trop facile. Non, mais... D'abord, je sais pas pourquoi j'ai dit papillon, parce que l'autre c'est plus une araignée d'abord. Ouais, mais. Ou un scarabée, je vois. Ah, c'est une migale plutôt. Migalos. Migalos. Oui. Pas du tout, pas du tout. Farfuré, j'ai aussi sur. Sur Pokémon Go. Oui, parce que je passe tout mon temps sur Pokémon Go. Hein. Je vais jouer qu'à sur Pokémon Go. Il sait faire que Pokémon Go en fait. C'est Pokémon Go, il n'y a pas vraiment d'intérêt à part juste récupérer des Pokémon qui est dans la rue. Et faire des combats. Oui, mais que des Pokémon nuls ou quoi? Attends. Ouais. Ah, je crois que Ah, c'était pas mal fait d'être là. Moi, t'inquiète. Vous allez le faire, mais... Tu paniques ou quoi? Non. Non, c'est pour mettre un petit doute quand même. Ouais, c'est ça, j'ai jamais eu de doute d'un Pokémon, moi. Pour retenir les noms, oui, peut-être, de temps en temps. Quand même. Je sais pas si vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Imitation Pokémon, et il y en a certains qui avaient du mal à retrouver les noms. Ah, il y en avait qu'un. Ouais, mais... Voilà quoi. Il y en a plus de 1000, il y en a des milliers. Combat terminé. Ce combat en 2 secondes. Ouais, peut-être pas quand même. Parce qu'il avait quand même 5 Pokémon. J'arrive pas à dire Pokémon. C'est l'accent.
L'accent d'Eden. De quel pays est ton accent? Je suis bien français, je suis pas canadien. Mais les Canadiens ils disent Pokémon aussi. Pokémon? Pokémon, ça c'est Eden ça. C'est typiquement moi. Attends, on va revenir sur le devant de la scène. Et on va te... Non, en fait, on peut pas passer là. Frapper. On va te détruire dans un combat de Pokémon. Je sais même plus si je suis allé là. Non, je suis pas allé. Oh, encore un combat là. On va y aller après. Voir s'il y a des objets. Non, mais si on est allé. Bah, si, parce que c'est pas là que tu viens. Lui, je l'ai pas fait, lui. Je pense pas. Ah si, je l'ai fait. Mais si, parce que c'est là d'où tu viens. Oui. T'es arrivé de là en fait. Ah, c'était les escaliers avant en fait. Ah voilà. Là, tu l'as fait. Tu dis sur l'escalier. Allez, moi au niveau labyrinthe, je suis très doué. Oui, je vois ça. Bon, en fait, j'ai tout fait, hein, je me casse maintenant. Allez, on rentre dans un autre endroit. Attends, allez. Regarde s'il n'y a pas d'objet là. Non, là c'est là où j'étais entré et tout et tout. Tu as incrusté un autre endroit du coup. Donc je devais aller où maintenant déjà? Je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Bah le laboratoire peut-être non? Non, je crois que c'est la pyramide qui est là. Je suis pas sûr. On va voir. C'est quoi ton scooter? C'est chelou ce scooter. Ouais, bah ouais. Un scooter volant. C'est parce qu'il roule dans le désert, donc c'est pour ça il se passe quelque chose. Tu peux pas aller ailleurs, tu me tapes sur le système, tu crois pouvoir me battre encore, c'est ça? Oui, parce que je l'ai déjà battu en fait. C'est quoi ce drôle de machin que tu as sur le bras? Tu viens me provoquer? Quand on cherche, on trouve. Bon, ouais, je crois qu'on l'a trouvé. Mais je lui ai déjà foutu la raclée. Déjà. Il se rappelle pas, je crois. Non, bah si, il s'en rappelle parce qu'il vient de me le dire. Il y a un obscur, je vais pouvoir le capturer. Enfin, si j'y arrive. C'est lequel ton obscur? Mangriff, le blanc rouge. Ah, tu sais, c'est mon meilleur Pokémon dans Pokémon Go. C'est mon meilleur Pokémon celui-là sur Pokémon Go. Oui, je ferai beaucoup d'influence sur Pokémon Go. Hein. Il connaît que ça. Hein. Allez, une petite morsure. Mais je le garde pour la fin, le mango. Parce qu'en fait, faut pas que je les mette KO, les Pokémon obscurs. C'est ça qui est chaud. Faut juste les affaiblir. Ouais. Donc je serais obligé de mettre un Pokémon un petit peu moins fort pour le capturer. Ouais. Parce que je me suis déjà fait avoir. Non, mais t'as pas perdu. Non, mais j'étais pas content. Tu n'as pas mon griffe toi? Non. On les a jamais en deux fois les obscurs. Hein? C'est que les sauvages. Putain, il va déjà falloir que j'aille les soigner. Et tu les soigner où? Bah, au centre Pokémon. Ou sur une machine. Je pense que j'ai le centre Pokémon au cas où, on sait jamais. Hein. Parce que si on fait une mauvaise rencontre encore. Ouais, c'est ça. Mais dans ta base là, avec le professeur là. Dans ta base avec le professeur, c'est pas mieux. Ouais, ils sont Pokémon, il y en a un peu partout. Ouais. Ah bah voilà, merci, t'es gentil. Ah bah c'est pour mettre un Pokémon moins fort. Pour le capturer. Ouais. Mais vu qu'il en a encore pas mal, non. Ah, tu vois le truc violet là? C'est-à-dire qu'il est presque prêt pour être purifié. Comme ça, je le ferai tout à l'heure. Ouais. Tu dis ouais, mais tu comprends rien en fait. C'est sûr que tu vas comprendre? Oui, je comprends. T'inquiète pas, je suis quand même intelligent. Hein. Je sais pas comment c'est pour là non plus. Ah, je sais pas, mais je vérifie. Hein. Il me prend tout à l'heure pour un demeuré. Ok, il reste plus qu'un seul Pokémon, un adversaire.
déjà réussi à l'affaiblir. Ou à le détruire. Ou à le casser. Il n'y a qu'un PV de partie. Si c'est trop puissant, c'est pas assez puissant. Je vais mettre mon fou, ça va le rendre fou ça. En gros, il se tape plus mal. Voilà. C'est ça. Lui, il met des attaques, il sert à rien. Pourquoi tu l'as choisi? Bah, je sais pas, j'ai fait une mauvaise pioche. On va prendre un autre. Allez, capture-le. Ah, pourquoi j'ai mis un saut noir? Ça avait enlevé qu'un seul PV tout à l'heure. Non, mais j'attends, il se rope dessus, puis voilà. J'aurais dû mettre au Gipit tout à l'heure. Ouais, je crois que t'aurais dû mettre un autre, ouais. C'est quoi son attaque, la lumière, hein? Ouais, regarde, ça enlève que dalle. Et l'autre, bah, si je mets autre chose, bah, il va me le buter, donc non, c'est pas obligé de jouer Pokémon. J'ai pas trop le choix, hein. Hey, tu remets lui. Comment ça, il est plus confus? Oh là là. Et là, tu veux plus l'attraper? Non, c'est qu'il va plus se taper dessus. Bon, attends, je vais le remettre. Ouais, allez, retape-toi. Ça a rien fait, ça, non plus. Non, si, c'est bon, ça l'a remis confus, c'est bon. Un ou deux coups, je dirais. C'est prêt pour la capturer normalement. Si tout se passe bien, on pourra le capturer. Avant que je sois KO. Et vous savez, ça va bien partir. Ça, c'est la vraie difficulté du jeu. Bon bah je crois que c'est mort. Hein. Pokémon, il est KO là, c'est quoi? T'inquiète. Ouais. Je sais pas s'il est assez affaibli encore, hein. Ça m'a pas l'air. On va en mettre un coup encore. Nocturne, il va être KO, mais c'est pas grave. Capturer après. Ouais, tu pourras plus le capturer du coup? Si, si, je pourrais le capturer, t'inquiète. Mais du coup, voilà, tu le recharges. Voilà, tu pas de panique, je le ferai. Pokémon, il est KO là. Oui, bah c'est bien ce que j'avais prévu, non. Un petit piou-piou. Parce que c'est KO là. Alors, quel Pokémon il va choisir? Bah, je serais plutôt tenté de mettre une super, hein, parce que les hyper elles sont chères. Le niveau 28, ça devrait le faire. Allez, croisons les doigts tous. Eh, croisez les doigts, Jordan, là. Croisez les doigts, là. Bah voilà, il s'est enfui. Parce que allez, tape-toi dessus. Non, il se tape pas dessus, là. C'est ça parce qu'il était pas assez affaibli. J'aurais l'avantage si j'avais un truc pour le paralyser ou un poudre doudou, mais j'ai pas. Est-ce qu'il est passé évoluer ton Pokémon? Oh non, c'est mort. On va pas l'avoir. Parce que. Parce, qu'il a plus parce que j'ai mis des attaques, il fallait voir.
À moins que ça fasse pas grand chose, mais là il est mort, là, c'est sûr. Ah bah voilà. C'est des morts. Ah c'est mort. Et puis c'est des morts, tu peux pas les rattraper. Si, mais que quand j'aurai affaire à lui. Bon bah je suis désolé les mecs, hein, j'ai fini une connerie. Bon, on n'a pas rattrapé de Pokémon aujourd'hui, pour l'instant. On aura peut-être d'autres Pokémon à rattraper. Ah, j'aurais dû relancer une boule. On a peut-être un autre Pokémon à rattraper. Le Gusmahu, Donozer va encore être furieux contre moi. Je ferais mieux de partir. Je devrais aller dans un endroit où le groupe Ombre n'a aucune influence. C'est bien la dernière fois que je me bats contre toi. Bah non, t'as intérêt à t'en battre contre moi parce que j'ai ton Pokémon à prendre. Où tu vas les soigner? Bah pour les soigner. Ah, c'est vrai. Je vais aller là parce que pour le purificateur, il y en a un qui est presque prêt. J'ai vu. Du coup, c'est pas mal. Donc ça, tout est à côté. Et en plus, je vais aller dans le magasin pour des hyperboules. Après. Ouais, des Pokéboules. Il va se recharger en Pokéball. Ah bah, c'est une infirmière. C'est pas l'infirmière Joël. Thank you very much. Tu as les magasins maintenant? Après. J'ai ma baie gratuite à aller chercher aussi. À chaque fois que je viens là, je vais la chercher. J'ai après. Ah oui, t'as la baie gratuite. Mais sur Pokémon Go, il y a des baies gratuites. Alors, c'était qui était presque prêt là? Ah, c'est lui. Ça passe de pique et lui ça a pas tardé non plus mais ça sera bon. Comme tu l'as fait. Et après tu veux tourner en rond. Pour ça, voilà, ça y est, il est prêt. Je m'en doutais qu'il allait me poser la question. Alors, c'est bon, il est prêt. Régénération c'est nul. Ouais, j'aime pas moi, j'aime pas. Faut mieux tout prendre. Ça pourrait te servir un jour peut-être. C'est cadeau hein. Et bah oui. Non pas de surmont. Ouais tu peux la prendre. J'entends. Jordan. Denal. Non mais c'est bon là-haut. Loïc. Non. Un petit tour au magasin. Et la baie gratuite. Il n'y a que Evoli que j'ai donné un surnom. Ah bon? Ah non, même pas, je croyais. Je confonds avec un autre dieu. Mais Evoli, il est pas là? Bah en fait, Evoli, il évolue en Noctali. Et c'est Noctali en fait que j'ai. Ah oui, t'as son évolution du coup. Ouais, parce qu'en fait, j'ai mis une pierre lune dessus pour qu'il évolue en Noctali. Et oui. C'est celui que j'ai choisi parce que bah, c'est l'un de mes préférés. Il est à le magasin. Ouais. Bah ouais, tu savais pas. Si, j'ai repris avec la Pokéball au-dessus. Ah, il n'y a pas d'hyperball. C'est que des super. Ah, c'est pas tous les jours les mêmes? Ça change tous les jours? Bah ça je sais pas. Alors visons le. Visons nos pièces, toutes nos pièces, c'est beaucoup. Ouais, je suis ruiné. Il y a ruiné tout partout, je sais. Du coup là tu vas retourner où tu étais. Ouais, en tête. Dans les pyramides. On va rentrer dedans cette fois. Je sens qu'il y a des choses qui vont se passer. Des combats, des super combats qui vont se passer. Il y a des Pokémon obscurs à capturer, à sauver. Si t'es arrivé à capturer, parce que tu as le premier, t'as pas essayé. Voilà.
Oh non, voilà les deux zigotos. C'est pas pour les enfants ici. Non. Je peux pas te laisser entrer. Va-t'en vite. Je suis pas un enfant, moi. Il veut pas que je passe. Tu me rappelles le gamin qu'on a vu à la télé, c'était toi? Bah oui, c'était moi. Attends, c'est toi qui as combattu le groupe Ombre? Bah oui. C'est l'occasion ou jamais de prendre du grade. Je vais t'avoir. Alors ça sent le combat, ça. Mais des débuts, tu les as vu les deux? Attends, il y a quelqu'un qui intervient. Oh. Moi aussi, je crois. Cet enfant, c'est pas n'importe qui. Tu n'as aucune chance de le battre. Bah oui, c'est Eden. C'est quoi, n'importe quoi? Eh petit, tu nous laisses faire, ok? Pas la peine de faire du grabuge, ça ne ferait qu'ameuter tous les bâtiments. Je connais pas ce mot-là, ameuter. À toi, Rob. Yo. Eh, vous êtes de la team Snatch? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vas-y, Horty, utilise Pout Dodo. Ah, pour une fois, il m'aide. Parce que la dernière fois, c'est moi qui les avais endormis pour voler mon Snatcher. Bien, Rob. Hey, à ton service. Dépêchons-nous, c'est le moment ou jamais d'anéantir le groupe Ombre. Oh, mais c'est moi qui va faire tout le travail. Regarde, vous restez planté là. Il ne sert à rien, en fait. Je vais faire une petite sauvegarde, quand même. Parce que là, on arrive à une pyramide assez sinistre. C'est bon, tu perds tout. Il va y avoir plein de méchants dedans. Oula. À droite, à gauche, tout droit. Voilà, ça c'est le vrai problème. Je sais jamais. Ouais, il est là. Comment c'est? Des cartons sont acheminés. Ok. Tiens, un objet là. Trois hyper potions. Normalement, eux, ils combattent pas, je pense. C'est des ouvriers. Ah, mais je sais quand même, on sait jamais. Non, mais c'est juste des ouvriers. Qui sont à la merci des méchants. Ah, on a un truc, mais ce n'est qu'un enfant. Ah, bah oui, le syndrome Peter Pan, tu connais. Hein. Voilà. C'est encore les bonhommes qui sautent du plafond, là. Ils se prennent pour Spider-Man. Spider-Man. Du coup, ils vont sauter, tu t'y attends pas. En gros, c'est ça. Et tu t'es trouvé de même. Débolo, c'est l'autre là. Vous avez encore envoyé des papillons? Ouais. Oui, il y a encore de la merde. Une coccinelle maintenant. Ah bah, ça va être facile à battre ça, mon ami. Ouais, en deux coups c'est fait. Ah oui, on va dire que c'est quoi, un petit lapin? C'est... Des capis. Ouais, c'est pas de l'électricité ça? Si. Ouais, si. Et t'as le rouge aussi, c'est... Ça, ouais, c'est plus positif, négatif. Positif, l'autre. Parce que c'est positif. Ouais, voilà. Le plus, je veux dire positif dans les piles. Je sais, je suis électricien, de base. Non mais même moi qui n'ai pas électricien, je le sais quoi. J'avais deviné quoi. Celui-là est négatif du coup. C'est quoi côté négatif d'une pile. Bon, il est négatif mais il va quand même être KO. Voilà. Encore une luciole. Bon, moi ça doit être cramé vite fait. Je vais la cramer vite fait, luciole, terminé. Allez, terminé. Tu veux la manger maintenant? Qui veut du se cramer? $1240. Ah, si seulement je pouvais avoir ça là, le setup je l'aurais direct. Mais faut pas croire, hein. Ah, là où ça se mérite l'argent. Par contre, ça ferait même pas le prix de la télé que j'ai vue l'autre fois, là, la grosse. Ça, c'est $6.
De quoi? C'est en dollars. Oui, c'est en dollars, mais bon. Tu mets en euros. Oui, si on met en euros. Ça sera deux fois moins. Oui, en plus. Non, mais si tu changes juste le signe. Oui. Voilà, c'est comme ça, je voulais dire. Bon, mais il y a un peu beaucoup d'endroits là. Entre. Vous m'embêtez. Oh. Ça. On ne t'a jamais dit de ne pas entrer dans les chez les gens comme ça. Je vais te punir, ta mère sera sûrement d'accord. Bah, celle que j'ai en vrai, oui, mais celle que j'ai dans le jeu, non. Ah bah tiens, voilà. Posipi. Posipi, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Bon bah, j'ai encore un papillon à cramer. Et puis un Posipi à cramer. Non, j'ai pas mis une attaque feu sur Posipi, j'ai mis feinte. Ouais, mais t'as peut-être le mettre tout à l'heure. T'as peut-être le cramer tout à l'heure. Non, non, c'est bon, ça va le faire comme ça. Non, moi je vais cramer l'oiseau. Ça doit être une évolution de l'autre là. Natu. 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 Ouais, je me connais mieux que toi. Hein. Ouais, moi je savais que c'était l'évolution de lui. Mais j'ai juste le prononcer, c'est tout. Je m'excuse. Et parce qu'il y a un youtubeur qui s'appelle Mastu, du coup j'ai. Mastu. C'était pas Mastu ni Mastu, c'était Natu Pokémon. Natu qui évolue en Xatu. C'est le petit piou-piou que j'avais dit tout à l'heure. Oui, ouais, c'est ça. Eh ben. Encore une luciole. Voyons, ça y va. Hein. Luciole. Il fait quoi, il fait une aile? Ouais, je croyais qu'il faisait les clodettes d'un peu François. Hein. Moi, je veux plutôt faire l'inverse. Je vais cramer la luciole. Oui, bah oui. Il a toute sa vie là. Je crois qu'en 2 secondes tu peux la cramer en 2 secondes à lui seul. 1, 2, 3. 3 secondes. Mais non, mais tu peux la cramer rapidement, c'est ce que je veux dire. Ah oui, 3 secondes. Et super efficace. KO. Oui, mais du temps à tomber. Bah, il essayait de. Il... Ouais, il essayait de se retenir au sol, mais bon. Mais il n'y a pas ici. Non, il n'y a pas ici. Voilà, il n'y a rien. Est-ce que tu montes les escaliers ? Viens reprendre les autres escaliers plus tard, parce qu'il y en a partout. Il y a un gros coffre là. Oui. Bon, faut pousser. Un guérison, cool. C'est utile ça? Ouais, c'est utile. Est-ce qu'il faut que je le pousse là-bas ou quoi? Ouais, je pense. De toute façon, t'as plus joué, t'as obligé de pousser là-bas parce que. Oui, dans le coin là-bas, tu dois. Oui, tout là-bas. Ouais. T'as de la force? Il est obligé de faire des petites pauses quand même. Ah oui, quand je jouais à ce jeu-là, quand j'étais petit, la musique, quand j'étais arrivé là. À cette partie-là, elle faisait flipper. Oui. Bah, écoute bien le son de la musique. Entendez-vous de porte? Ça me faisait flipper quand je vois ça. On aurait des bruits de porte. Puis t'entends. Ça, on est un chien. Ou quelqu'un d'autre. Non, mais là, ça fait fantôme là. Ou quelqu'un. Ça me faisait flipper. Tu fais des choses bizarres. Genre, j'avais moitié envie de couper le son tellement j'avais peur. Bon, bah là, c'est pas bon là avec la caisse. Je pense que faut que je fasse le tour. En passant par 2 escaliers. Voilà, c'est vrai. Donc il y en a à droite, normalement, il y en a en haut. Il y en a là. On va me tomber sur la tête à tout moment. Des rappels. Il a récupéré des rappels. Ouais, celui que j'ai gaspillé tout à l'heure, oui. Ça peut être inutile quand il oublie de. Ouais. Bah, j'oublie que quand il y a Jordan. Ah bah tiens, le on voit là. Tout ce cam là-haut, c'est à cause de toi? Bah non. Mais non, mais moi je porte pas des talons aiguilles, hein. Je fais pas de bruit, hein. Je suis silencieux. Non. J'ai des baskets.
Elle marche à la pointe du pied. Ouais, peut-être pas quand même, parce que je cours. Encore ce truc. Donc t'es table là. Sinon on n'avancerait pas. Je suis quand même rendu à 12 heures de jeu. Hein. Oui, quand même. Je sais pas si je suis à la moitié, je suis peut-être un peu plus, à un peu plus de la moitié. En tout. Personne peut dire à peu près combien de temps ça prend de finir le jeu. Ah mais on verra bien. Oui, j'essaie de chercher par exemple pour un jeu vidéo. A mon avis, ça va faire environ 20 épisodes en tout. Là, on est au 6-7. Ah, c'est vrai, t'as vu, fini. Bah oui, parce que j'essaie de faire à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, mais ça fait pas mal quand même. 3 épisodes et t'as terminé. Non, je vais cramer l'œuf plutôt. C'est pas neuf, c'est une perle. Ouais, bon, hein, j'avais envie de dire que c'était un œuf. Une perle. Oui, c'est un coquille. Un coquille. Yeah. Oui, un coquillage. J'ai bogué là. T'as bogué? Ouais, j'ai bogué. Non, t'as pas bogué, t'as bugué. J'ai bogué. Bugué. Pokémon, j'ai bogué. Prends pas l'air, prends l'air. C'est pour ça que tu es défoncé par des bulles. Bah tu parles. Tu parles un peu de vie quand même. Ah, par rapport à l'autre quand même. Oui. Je vais mettre morsure pour changer. Mais t'as hurlement. Je vais faire la lanterne après. T'as hurlement aussi. Hurlement c'est nul ça. Ça fait juste baisser le... Quoi? Je sais quoi. Quoi, regarde-moi, c'est le nombre de qui lui reste. Ouais, c'est juste pour me manquer kiné ça. Oui. Enfin, pour être poli, hein. C'est abusé. Regarde, il est mort. On dit pas mort dans Pokémon, on dit KO. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Si. Non, c'est pas pareil. Parce que quand si. Il est KO, après, il est encore vivant, en fait. Il ressuscite. Ouais, on peut dire ça comme ça. Des, un genre de phénix. Hâte de me regarder, ça me déconcentre. Il est pas coloré. Regarde la télé. Hein. Oh, voilà, j'ai fait n'importe pas quoi. Pas trop efficace, elle m'a manqué. Mais oui, mais c'est un Pokémon haut aussi et que je suis con. Que tu dis, ouais bah ça c'est parce que t'es là, c'est pour ça. Ça m'a déconcentré. Ça va pas m'empêcher de gagner. Une morsure. Non, je mets pas de morsure, je mets pas partout. Du coup même avec toi t'as mis des trucs. Une fois normalement c'est pour parer du coup. Alors c'est mieux, j'aurais dû faire ça tout à l'heure, du premier coup. Bon, on dirait pas trop que c'est un Pokémon haut mais. Si quand même, si. Oui bah grâce à son attaque, mais quand tu regardes comme ça. Non, ouais. Je l'aurais dit quand même un petit poisson quand même. Ça ressemble à un poisson quand même. Un poisson un peu bizarre. Ouais, c'est vrai mais un poisson. Par quand rapport même. À Magikarp et Poissirène. Magikarp on a un poisson crevé. Oui, ça c'est vrai. Parce que les poissons crevés se mettent toujours sur le côté quand ils meurent. Sauf qu'il bouge tout le temps. Et il sait rien faire à part trempette. Ou un poisson qui cherche l'eau mais qui trouve pas l'eau. Ne le raconte à personne s'il te plaît. Okay. Elle a honte. Ouais, t'as honte là. Elle a honte d'avoir perdu. On sera gamin en plus. Un gamin. Ouais. En fait, je suis venu là juste pour un combat. Ah non, il y a un objet. Quand même. Récompense. C'était Vaquette. C'est parce que c'est mieux. C'est pas. Ça doit être une attaque, peut-être. Il y a des trucs, mais c'est même pas ce que c'est. Bah, déjà, je regarde pas beaucoup mon inventaire. Si vous les c'était là-dedans. C'est là, c'est ça. J'ai tout ça là. Ah bah tiens, bah, ça c'est grâce à toi, Jordan. Pour une fois, tu sers
Ouais. Pour quelque chose là dans le jeu. Ouais. Bah en fait je vais remplacer lance-flamme par flamèche. Parce que c'est plus puissant. Et alors? Bah c'est mieux. Mais pourquoi c'est à cause de moi du coup? Bah c'est grâce à toi du coup. Parce que... Attends, je vais plutôt remplacer par hurlement. Ah oui, parce que je suis décédé déconstruit, c'était moi dans ton inventaire. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, je vais vous faire quelque chose. Ouais, mais attends, non, pas tout le temps. Tu m'as fait deux vacheries tout à l'heure. Ah bon? Ça m'avait déconcentré. Et mais oui, mais c'est... Psycho-quack! Mais non, c'est psycho. Non mais j'ai pas de Pokémon électrique là, donc tonnerre je peux pas, la Zeria je pense pas. T'as pas Psycho Quack? Non, pas pour le moment. T'as pas Jonathan? Heureusement que notre copain Jonathan il regarde pas les let's play Pokémon parce qu'on parle de lui là. DJ John. Bon c'est des cassettes DJ John. Ouais, petite pub. Il a fait un live pendant le confinement. Donc là du coup faut déjà y aller. Il a fait un live pendant le confinement. Mmh. Il en a fait plus que un. Si. Non, plus que un, je peux dire. Il en a fait qu'un sur YouTube, mais vous faites le reste, sont pas sur YouTube. Et ça. Personne ne surveille l'entrée du bâtiment. Bah non. Bah si, il y en avait, mais ils sont tous endormis. Nous avons encore raison de nous endormis. Hein. Ah, c'est encore lui. Il y a un corbeau. Vas-y. C'est un corbeau. Parce que sinon, c'est corbeau. Corbeau truc. Je sais pas comment on est fait, mais. Mais son nom c'est corbeau truc. Non c'est pas corbeau truc, hein, c'est cornel. Oui mais c'est parce que c'est corbeau. C'est un corbeau, c'est pas un corbeau, corneille, c'est un machin. Ah non, corneille c'est un chanteur. Et je l'ai sur Pokémon Go. Moi aussi je l'ai. Et lui aussi c'est Viper, je l'ai. Tu l'as lui aussi? Ouais. T'as récupéré où? Dans Pokémon Go. Mais où dans Pokémon? Ah, je m'en souviens pas moi. En plus j'y joue pas beaucoup donc j'ai que le niveau 20 dans Pokémon Go. T'as le niveau combien toi actuellement? C'est même pas. J'y joue presque jamais. Que, vu que j'ai pas la 4G. Je joue tout le temps. Je vais le cramer le champignon. Ah non, faut pas le cramer, faut le capturer, il est obscur. Ah il est obscur, bah il est obscur, faut tester le capturer, pas comme tout à l'heure. Faudrait presque sauvegarde avant chaque combat pour recommencer si jamais. C'est ce que je faisais quand j'étais petit. T'es malin. Hein. Mais bon, faut pas faire ça là. Sinon on en a pour deux heures à chaque combat. Eh j'en ai deux là en plus hein. J'ai un Caninos aussi. Un peu plus intéressant lui d'ailleurs. Ah là, si je mets ça, ça il va être KO. Je vais être obligé de changer de Pokémon. Je vais mettre Tokébli. Pokémon. Je sais combien de. Et où je suis. Bah du coup Jordan il a lancé son Pokémon Go, ça lui a donné envie. Le problème c'est que je peux pas y jouer parce qu'il faut que je fasse la mise à jour. Super. Super. Il vous aura pas parce qu'il y a trop d'applications. Voilà. Je connais des applications. Il y a moins de mémoire que le mien ton téléphone. Moi Caninos, je vais le faire venir dans l'équipe. Un peu plus tard bien sûr. Oui, puis Obali aussi pour avoir Pokémon O. Tu n'as pas Pokémon O? Si, mais il est dans le PC. Dans le PC? Dans le PC, dans Pokémon. Ah, du coup, tu peux pas l'incuber, tu peux pas. Bah, si, mais vu que je dois.
sauver les Pokémon obscurs, bah, je suis obligé de les prendre avec moi. Et du coup, bah, je peux pas trop faire une équipe bah, comme dans les autres jeux, quoi. Ouais. Arrêtez de taper mon Pokémon. Et en plus ça m'est trop con parce que je suis en 4G et que je n'ai pas 4G normalement. Du coup il fallait que je chope la wifi mais j'ai pas la wifi aussi. Oula, il faut depuis presque une KO. Allez, merci. Du coup, faut que tu soignes. Ah, c'est bon. Bon, il fait un petit rappel du coup. Bon, hein, c'est chier. Je vais me mettre hyper drôle. J'en ai pas beaucoup, par contre. Oh, mais tu peux mettre que tu as dit à toi. Il y a plus de chance avec une hyperbole plutôt qu'avec une superbole. Le Pokémon Go n'a pas beaucoup d'hyperbole. Hein. Peut-être parce que t'as un petit niveau encore. Je suis le 40, je crois. Ah oui, quand même, le double de moi. Je suis combien? Je sais bien. Ah bah voilà, une hyperbole ça marche mieux. Mais je vais essayer de lutter. On l'a eu, Caninos. Le para, c'est moins grave. Ah, mais Caninos? Non, je l'ai déjà. Le KO. Je l'ai sur Pokémon Go. Plus qu'un à capturer. Je vais mettre des hyper potions, pas là parce que. Ah oui, pour les soigner. Ou alors je fais demi-tour pour les soigner. On ne sait pas. Ah mais non, il faudrait faire des super potions parce que. Ouais, si tu vas perdre, tu as des grosses poissons, tu vas perdre et puis du coup tu vas. Mais non, t'inquiète, c'est ce que je fais à chaque fois. Ah, oui. Ah là c'est bien. Et je vais le capturer juste avant d'être KO. Mais c'est bien ça. Après je vais les soigner. Et après on va sauvegarder. Du coup t'as capturé un deuxième du coup. Ah attends. Ah oui t'as capturé deux dans la même bataille. Super beau. Là il a capturé deux dans la même bataille. Le même combat. Comme ça complique la jolie chose, ouais. Non. Bah oui, plus que t'en as, plus que c'est compliqué. Allez, yes. Il me reste plus que 9 maintenant. Hyper beau. Il m'en faudra d'autres. Ah quoique non, j'en avais ramassé tout à l'heure. Donc là, on est parti pour soigner Pokémon. Donc, faire demi-tour. T'as décidé de faire demi-tour. Parce que j'ai pas envie de gaspiller toutes mes potions. Hein. Regarde, Jordan, ils sont par terre. Encore.
Et quand tu reviens, ils sont encore par terre? Bah normalement oui. Hein. Dans mes souvenirs, ouais. Alors, on va aller là. Je suis sûr qu'il y a un Pokémon que je vais pouvoir purifier là. Celui de tout à l'heure. Oui, il est même que tu pouvais. Ouais, qui était presque prêt. Enfin, voilà, en fait. C'était lui là. Non, c'était pas lui, qu'est-ce que je raconte? C'était plutôt par là. Ah, c'était lui, Rosalia. Et là, t'es pété sur Pokémon quand même. Alors, j'ai commencé par ça. Par le PFC? Ouais. Parce qu'après, j'ai un PC, et le PC il est juste à côté du truc pour soigner les Pokémon. Eh ben oui. Ça m'évite de faire des détours. S'en fout, c'est boulot disco, c'est celui qui a un look extravagant. On l'a pas vu aujourd'hui. Non, on l'a pas vu aujourd'hui, mais moi je l'ai vu hier, ça m'a suffi. Tu n'aimes pas trop ce mec? Non. Ah voilà, c'est bon. Soigner les Pokémon. Bim, 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 bim. Je vais tout soigner. C'est rapide pour les soigner. C'est plus rapidement encore s'il y a par le coup. Ah, et puis tu les déplaces des Pokémon d'abord. Pour le combat. Ouais, je vais reprendre des. Comme ça. J'aime bien trop lui, mais bon, faut que je m'occupe des autres. Je fais les moins bien d'abord et les meilleurs après. Là. Ah, t'as. Oui, Généus. Généus. Ouais, j'ai plein de tas de morts. Je l'avais déjà commencé un peu le truc. Tu sais que sur Pokémon Go tu peux faire des combats de chez toi? Ouais ouais. Maintenant. C'est une nouveauté depuis peu. Donc tu peux faire des combats de chez toi et puis gagner des Pokémon facilement en faisant des combats. Moi finalement je garde mes sous. Non, mais je m'occupe pas. Si, tu t'es moqué de mon scooter tout à l'heure. Ah, je préfère mon scooter que le tien, mais. Mais le tien, il peut pas aller dans le désert. Si. Non, le mien, il peut. Pourquoi il peut pas aller dans le désert? Parce que le mien, il a des roues spéciales. Il flotte. Mais non, mais il va pas là, je suis déjà allé. On va prendre les escaliers. Eh ben désolé, mais on va sauvegarder là. Et on va se retrouver au prochain épisode. 13h46 de jeu, je suis rendu en tout. Salut les gars. J'espère que cet épisode vous aura plu. À la prochaine. Mais t'as un coup de bébé et un coup de...